mon fils, tu as un dos énorme, hein. Mais on fait comment pour avoir ce dos là? Mais on fait comment? T'es trop vieux toi. T'es trop vieux toi. Moi je suis trop vieux. Allez, je me casse à la muscu moi. Mais tu vas où? Qu'est-ce que tu fais? Mais moi je veux avoir un dos énorme aussi. Comment on fait pour avoir le dos énorme? Mais Diallo, je t'ai déjà dit, c'est pas pour toi la musculation. Ça c'est un sport d'homme, Diallo. Toi t'es trop vieux. Quel vieux? T'es trop vieux, Diallo. C'est faut être jeune, faut être costaud, faut être en pleine forme. Viens, 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 rentre chez toi, Diallo. Moi je vais m'entraîner. Mais tu vas où? Vous allez où? Revenez. Moi aussi je fais muscu là. Viens, hein, tournez le dos. Mais revenez. Revenez. Pas de problème, on t'a dit. T'as ton repas, il lâche pas l'affaire. T'as la tête de mort, heureusement on l'esquive celui-là. Oh, ferme-le chez toi ou. Fouah. Je sais pas, achète-lui un billet d'avion. Tu le renvoies en bled, frère. Ah, il veut pas lâcher l'affaire. Ok, Unity System. Kefitu. Kazma. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est un nouveau jour. Un jour où, voilà, on va aller faire ce qu'on a à faire à la salle. Mais pas simplement faire ce qu'on a à faire, on va venir vous montrer nos meilleurs exercices d'eau. Bien évidemment. Ouais, puis on va prendre le temps aussi, on va prendre un peu plus le temps de bien vous expliquer le comment, du pourquoi, voilà, sur sa manière de s'entraîner, sur ma manière de m'entraîner, sur les différents exercices, les différents mouvements, les différents muscles travaillés. Comme ça, vous allez en apprendre un petit peu plus. Voilà. Alors aujourd'hui, on se cible sur le dos. Donc voilà, vous allez assister à comment travailler son dos en largeur. Et comment travailler son dos aussi en épaisseur. Voilà, donc voilà, ça a rien de parler pas en 10 ans, vous allez observer ça, on va bien vous détailler tout ça correctement. Il a ses meilleurs exos, moi j'ai les miens, voilà. Restez très 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 bien branché. Tu peux faire ça comme toi. Ok, alors moi, comment je vois les choses? Donc on sait bien sûr qu'il y a plusieurs axes, bien évidemment. Donc la verticale, les diagonales et l'horizontale. Alors, en ce moment, je m'entraîne un peu différemment dans le sens où je ne travaille pas tous les axes. Je privilégie les axes les plus importants, donc les deux la verticale et l'horizontale. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un exercice bilatéral à la verticale, un exercice bilatéral à l'horizontale et un deuxième exercice pour la verticale en unilatéral et un deuxième exercice en unilatéral à l'horizontale. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mouvement en unilatéral, ça va me permettre en fait de venir amplifier l'amplitude et la contraction. Voilà, donc c'est un peu, on va dire, de la finition et de l'isolation, même si l'isolation, voilà, il n'y a qu'une seule articulation qui rentre en jeu. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre un petit peu que le deuxième mouvement en unilatéral, c'est un mouvement qui va être plus précis, où je vais pouvoir avoir une amplitude plus importante et une contraction plus importante. Et donc pour moi, pour mes quatre mouvements pour le dos, j'ai choisi en premier lieu les tractions. Donc, comme vous le savez, un mouvement polyarticulaire où je vais venir travailler la largeur de mon dos. Deuxième mouvement, tirage vertical, toujours en largeur. On passe en épaisseur, rowing bar. Voilà, coude vers l'arrière, on fléchit bien sur les jambes. Et dernier mouvement, on va venir amplifier la contraction avec un tirage à la poulie unilatérale. Restez bien branchés. Ok, alors moi, mon premier exercice, c'est les tractions à la barre droite. Pourquoi à la barre droite et pas à la barre inclinée? Parce qu'en fait, c'est par rapport à la position de la main, le fait d'avoir une barre droite va faire que l'étirement des dorsaux, il sera beaucoup plus important que si la prise, elle est légèrement voûtée, si on peut appeler ça comme ça. Ok, moi aussi, donc comme vous pouvez le voir, les tractions, c'est mon exercice favori. Si on vient travailler donc la largeur de son dos totalement,
à travers les grands dorsaux. Et surtout, en fait, les tractions, comme vous pouvez le voir, c'est un exercice qui va vous faire progresser au niveau endurance et niveau, surtout au niveau force. Voilà. Donc là, resserrage des omoplates. Voilà, on active les grands dorsaux automatiquement et aussi les trapèzes. Ok, donc en fait, je sais pas si vous avez compris, mais Kef, il fait mes exercices et moi, je fais ses exercices. Voilà, pour que j'explique mes exercices et lui qu'il explique les siens. Donc là, c'est mon deuxième mouvement pour la largeur du dos. Où on va venir en fait aller chercher beaucoup plus loin le fait que ça soit en unilatéral. Donc on va resserrer l'omoplate et ramener le coude vers l'arrière. Voilà, ce qui va permettre d'avoir une contraction beaucoup plus importante et une amplitude beaucoup plus importante, comme je vous le disais dès le départ. Okay. Donc là, l'exercice, on va venir travailler donc en largeur, bien évidemment, un peu comme les tractions. Parce que là on est avec une machine. Donc là ce qui va se passer c'est que on va aller chercher la poigne, venir tirer avec les coudes, resserrer à la fois les omoplates, monter la poitrine, d'accord. On inspire, quand on roulage, on souffle, contraction maximale du dos, bien évidemment. Alors on va activer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les tractions, voilà, ronron, trapèze. Mais surtout les grands dorsaux. Mais pour amplifier cette contraction, on va venir resserrer les omoplates et relâcher. Et ainsi de suite. Vraiment s'appliquer. Donc là, vous voyez, je suis en unilatéral. D'accord ? J'aurais pu prendre les deux, mais je préfère travailler en unilatéral, bien évidemment, pour me focaliser sur une seule partie de mon dos. Ok, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est fléchir les jambes. Ah Chavez, tout vêtu de blanc, t'as l'air sain comme ça, t'as l'air vierge. Ça va les Unity système 2.0? Moi gros, bonjour, okay. Excusez-moi. Tiens, explique-le. Ouais. Ce qu'il va falloir, c'est bien la cambrer comme une meuf. Comme vous allez au chiot. Bah, je vais faire une vraie explication. Et si vous voulez solliciter les jambes, donc fléchissez les jambes, vous montez, mais si vous voulez solliciter que le dos, c'est que les bras. C'est pas trop mal. Ok, donc ça filme bon ? Ouais. Okay. Ok, donc comme je disais, avant que Astaboss il arrive, donc ce qu'il va falloir faire, c'est bien fléchir les jambes, ok ? Bien garder le dos droit. On va remonter légèrement, envoyer bien les coudes vers l'arrière, d'accord ? Resserrer les omoplates. Donc sur ce mouvement, vous l'avez compris, on est sur l'épaisseur du dos. Voilà, donc ce qu'il va falloir faire, c'est légèrement, incliner le buste, ok, pas être trop droit, parce que sinon après, on est sur les trapèzes, c'est limite du shrug, donc on incline légèrement le buste, on envoie les coudes vers l'arrière, on resserre les omoplates, et comme je le disais, on est sur l'épaisseur du dos, voilà, à travers les rhomboïdes, les trapèzes aussi, mais la partie, médiale, qui se situe entre les omoplates. Et le mouvement, c'est le suivant. Ok, donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur l'épaisseur du dos. D'accord ? On va revenir ramener la barre au niveau du nombril, fléchir légèrement comme il le fait. Le dos, omoplate bien serré. D'accord ? On tire avec les coudes. D'accord ? Mais vraiment tirer avec les coudes. Et ressentir le travail au niveau des grands dorsaux. On va venir activer ici les rhomboïdes, d'accord, les trapèzes. Et vraiment jouer aussi en resserrage d'abdos, c'est très important vu la charge qu'il va avoir. Il faut vraiment vous appliquer. Ok, donc ça c'est mon quatrième exercice, donc le deuxième pour l'épaisseur du dos, même principe que pour la largeur, dans le sens où j'avais mon premier qui était un mouvement bilatéral et mon deuxième qui était un mouvement unilatéral. Donc là, mouvement unilatéral pour l'épaisseur du dos, donc toujours pareil, dans le sens où en fait
bah, je cadrais pas très bien, mais c'est pas grave. Dans le sens où on va avoir une amplitude et une contraction qui sera beaucoup plus importante que le mouvement bilatéral. Voilà, c'est ma manière de voir les choses, de fonctionner, et ma méthode. Ok, donc là on est sur encore le dernier exercice, comme vous pouvez le voir. Je vais me placer autrement, hop là, voilà. Donc ce qu'il fait faire ici, c'est tirer avec les coudes, exactement pareil qu'avec le rowing bar, sauf que là on est légèrement, on est un peu moins fléchi, l'angle il est différent. Voilà, il va venir tirer au centre de son corps, donc en direction, voilà, tout en horizontal. Contracter l'arrière, omoplate bien serrée, poitrine bien haute, comme d'habitude, abdos bien serrés. Il fléchit légèrement, comme vous pouvez le voir, sur les jambes, d'accord. Et l'intérêt, c'est d'aller chercher un peu plus loin. Voilà, on va aller chercher un peu plus loin pour amplifier la contraction. Thank you.
Luxray Beats. Ces jeunes-là, ils m'ont fatigué. Hein. Ils veulent jamais me montrer comment on fait la musculation. L'unité, c'est la force. L'unité, c'est la force. C'est pas la force. Hein. Ils veulent pas m'aider. Il n'y a pas d'unité là. Bas les couilles, moi. Je repars en skateboard. Vas-y frérot, vite avant que ton repas il arrive. Bah la famille, pensez à vous abonner, liker, partager, et n'oubliez pas, l'unité et la force.